Tu préfères que ton mec il te suce les seins ou alors qu'il te fasse la chatte? Je préfère qu'il me suce les seins parce que la chatte là, c'est un peu un autre monde. Bon, sans hésiter, je dirais les seins parce que je suis pas sensible à la chatte. Oui, il a déjà essayé à plusieurs reprises, mais comme je dis, mon préféré, ce sont les seins. Ah bon? Oui, là, c'est indiscutable. Eh oui! Je veux dire ça comment? Rien des deux, en fait. Angie a une bite. Hello mes miss et mes masters, je vous salue, je vous aime comme toujours et je vous souhaite une fois de plus la bienvenue sur la chaîne mes amours. Je vous aime tellement et je suis contente parce que ça évolue vraiment comme je veux. Mais les gars, abonnez-vous, surtout n'oubliez pas le plus important, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Voilà, le thème d'aujourd'hui, ça c'est sexy, ça c'est canon, mais j'attends vos avis sur ce thème. Ok, les filles, dites-moi, vous préférez que le gars il vous fasse la chatte ou alors qu'il vous suce les seins? Oui, donc faites le choix. Vous qui regardez la vidéo, lâchez votre avis en commentaire et surtout marquez le nom de la personne qui vous a le plus intéressé dans la vidéo. Car à la fin de la semaine, cette personne sera nommée comme Miss ou Master de la semaine. A plus! Salut! Salut! Comment je t'appelle? Efo Aline Sorel. Jessica. Lexane. Aimé. Ghislaine. Tu préfères que ton mec il te suce les seins ou alors te fasse la chatte? Je préfère qu'il me suce le sein parce que la chatte là, c'est un peu un autre monde. C'est pas trop. Ah bon? Oui. Selon ta... bon, dis-moi, quand il te suce le sein, tu préfères mieux pourquoi par rapport à la chatte? Non, quand il me suce le sein, je suis plus à l'aise. Moi, je ne peux pas souhaiter que quelqu'un me fasse la chatte puisque il y a les maladies auxquelles nous sommes confrontés ici dehors. Et il y a aussi, à travers ça, je vais dire, certaines personnes malfaisantes utilisent ça pour les objets, pour les causer, pour les rituels. Donc, je ne sais pas trop. Et je n'encourage pas trop cela. Attends, dis-moi, quand ton mec lui te suce ses seins, est-ce que ça te satisfait normalement? Effectivement, ça me satisfait. Même quand je ne suis pas satisfait, si elle aime, je vais rester là. Avec lui, je n'ai pas besoin qu'il fasse trop d'efforts. Waouh, attends, dis-moi, est-ce qu'un homme alors t'a déjà fait la chatte avant que ça t'a pas intéressé? Non. Jamais. C'est d'abord quelque chose auquel je n'ai jamais souhaité. Bon, il ne m'a jamais fait, pas parce que il ne voulait pas le faire. C'est parce que moi, je n'ai pas voulu. Ah bon? Oui. Waouh. Tu préfères que ton mec il te suce les seins ou alors qu'il te fasse la chatte? Bon, sans hésiter, je dirais les seins. Hein? Parce que je ne suis pas sensible à la chatte. Ah bon? Oui. Waouh. Attends, dis-moi, quand il te suce les seins là, ça te... Ça me procure du plaisir, du bonheur. En fait, j'aime. Tu aimes? Oui, j'aime tout court. Est-ce qu'il a essayé donc de te sucer la chatte un jour? Oui, il a déjà essayé à plusieurs reprises, mais comme je dis, mon préféré, ce sont les seins. Eh oui! Ah bon? Oui, là, c'est indiscutable. Ah, maman, j'espère que le gars là, il s'y prend bien. Non, il s'y prend bien. Là, je ne me plains pas. Ah bon? Oui. Hé, donc, que c'est calé, on peut même plus te prendre ailleurs. Non, il n'y a pas moyen. Ah bon? Oui. Hey, tu préfères qu'on te fasse la chatte ou qu'on te suce tes seins? Tu dois faire un choix. Ni l'un ni l'autre. Tu décontenances. What? Ni l'un ni l'autre. Ni les seins ni la chatte. Ouais. Et selon toi, si le mec veut commencer par les préliminaires, il va commencer donc par quoi? Bon, toute femme est différente. D'autres sont plus sensibles sur les seins, d'autres sont plus sensibles sur la chatte. Personnellement, ayant testé les deux, je suis pas contre peut-être aller en bas ou bien caresser les seins, mais perso, déjà mes seins 37, quoi. Je suis plus chatouilleuse ailleurs ou bien c'est des trucs un peu plus basiques. Donc quoi par exemple?
peut-être les baisers m'amènent beaucoup. Plus, oui, plus que ce que tu vas vouloir faire sur les seins, c'est caresser comme ça. Donc les seins, c'est privé quoi. Ouais, on peut dire comme ça. Et, attendez-moi, c'est privé ou alors ça ne t'excite pas? Je peux dire que c'est privé en même temps, ça ne m'excite pas tant que ça. Donc quand on t'embrasse, c'est bon? Bon, pas seulement embrasser, il y a d'autres, mais bon, beaucoup, je peux dire aussi oui, embrasser. Original, hein? Hey, maman, dans ton gars, lui, il ne travaille pas trop. Ah, c'est un peu aussi simple que ça. Ah bon? Juste embrasser, c'est. On fait même ça en route. Non. Il y a embrasser quand même. Embrasser en caressant. Je vais pas tout divulguer. Tu préfères que ton mec il te suce les seins ou alors il te fasse la chatte? Je veux dire ça comment? Rien des deux en fait. Rien des deux? Oui. Et selon toi, il faut faire comment pour t'exciter? Bon. Selon toi, la plupart des filles disent qu'il faut toucher mes tétons, d'autres disent qu'il faut faire la chatte. Bon, toucher, c'est différent de sucer, n'est-ce pas? Oui, il y a une différence. Donc, rien des deux en fait. Donc, s'il décide de toucher, il touche. Touche sans sucer. Oui. Ah bon. Et si le gars lui il aime ça, je fais comment alors? Bon. C'est vrai quand même qu'à un certain moment, je peux le faire plaisir à des exceptions, mais pas tout le temps parce que il y a certains moments que je n'aurais pas envie qu'il le fasse. Ouais. Waouh, c'est vrai que tu es catégorique, hein? Le gars là, il a chaud, hein? Tu préfères que ton homme il te suce les seins ou alors qu'il te fasse la chatte? Désolée, je ne vais pas répondre. Ah ben? Oui. Déjà, rien des deux ou bien... Tu veux... Rien des deux. Rien des deux? Ouais. Selon toi, qu'est-ce qui te paraît bizarre sur la chatte ou les seins? Bon, je ne sais pas parce que je n'ai jamais essayé. Ah bon? Désolée. Ok, laisse quand même d'abord essayer de répondre. Ok.